Bonjour à tous, ici Danielle DELANEY. Je vous souhaite la bienvenue à notre 6e émission. Aujourd'hui, M. Noël Delcourt nous parle de l'Association des hypnologues du Québec et vous verrez la réponse du public à la question « Peut-on régresser sous l'effet de l'hypnose? » et un vibrant témoignage sur l'utilisation de l'hypnose dans des cas de violence et une autre capsule de « Ma santé, mes droits ». Et le dernier exercice d'auto-hypnose avec M. Noël Delcourt. Sans plus tarder, on rencontre M. Noël Delcourt qui va nous parler du rôle de l'Association des hypnologues du Québec. Bonjour, Danielle. Le rôle de l'Association des hypnologues du Québec a été, depuis le début, de créer un soutien auprès, tout d'abord, de ces thérapeutes. Il faut se rappeler qu'en 1977, quand l'association a été fondée, il n'y avait pas beaucoup de gens à cette époque-là qui utilisaient l'hypnose. C'était plutôt vu comme un spectacle. Alors, depuis ce temps-là, l'association non seulement a réuni des gens de plus en plus compétents comme membres, mais aussi écrit un code de déontologie qui permet, dans des cas de, si ça devait arriver, je dois dire que c'est jamais arrivé par contre, mais une protection auprès du public. Ça, c'est le deuxième rôle de l'Association des hypnologues. En dernier lieu, l'association, comme je vous ai dit, a recruté des gens de qualité de plus en plus, des infirmières, des dentistes, enfin, des gens de toutes sortes d'autres professions, même des médecins qui le pratiquent. Donc, cet apport-là nous permet maintenant d'offrir des cours un peu plus perfectionnés, de perfectionnement, comme des cours d'hypnoanesthésie, où les thérapeutes peuvent se familiariser avec les techniques qui permettent d'éliminer la douleur ou de mieux la contrôler auprès de leurs patients. C'est quoi qu'au juste qu'une personne doit faire pour rencontrer un ou même une hypnologue? Tu fais bien de le mentionner, comme on a vu pendant l'émission, il y a beaucoup de femmes maintenant qui pratiquent l'hypnose de plus en plus. Pour rencontrer un hypnologue, téléphoner à l'association, c'est le siège social qui va vous permettre d'avoir quelques noms dans votre quartier de Montréal ou dans la région de la province de Québec, car depuis cette année maintenant, l'Association des hypnologues est présente dans les différents bottins des pages jaunes, des régions du Québec, car il y a de plus en plus de gens qui se joignent à nous, qui sont en région. Puis comment qu'on peut faire pour s'assurer qu'on fait affaire vraiment avec un hypnologue accrédité? L'accréditation est affichée sur le mur. D'ailleurs, c'est dans le code de déontologie. Alors, lorsque les gens consultent, le logo de l'association est sur une accréditation que vous pouvez voir dans le bureau de l'hypnologue. Puis, comment qu'on fait pour obtenir des renseignements sur l'hypnose? L'association a préparé un pamphlet qui donne des renseignements généraux sur ce qui peut être offert en hypnose. Notre secrétariat est ouvert de 9h à 5h du lundi au vendredi pour répondre à toutes les questions, démystifier, éliminer le sentiment de peur ou de crainte qu'il pourrait avoir à consulter un hypnologue. On s'occupe de ça. Bon, bien, merci. Et maintenant, on va passer aux réponses du public à une question qu'on a trouvée bien intéressante. Peut-on régresser sous l'effet de l'hypnose? Régresser dans son enfant, je sais pas. Je sais que j'ai vu de par les démonstrations qu'effectivement on pouvait les remettre dans un état, oui, d'enfant, à téter son pouce, des choses comme ça. Pour les souvenirs enfouis, oui. Oui, je crois ça. Parce que je me dis qu'on garde les souvenirs les plus vivaces, mais comme les souvenirs traumatisants, les choses comme ça, si on enfouit ça. Puis avec l'hypnose, je crois que c'est comme une forme de thérapie. Oui, c'est évident. C'est pour ça que ça existe, l'hypnose. Mais on peut faire... certaines personnes peuvent faire de l'auto-hypnose, certains esprits très forts. Mais ça prend la surveillance en général, soit de médecin ou... Bonjour Cornélia. Bonjour Danielle. Bon, qu'est-ce qui est ta réponse à la question de la semaine? À la question si on peut régresser à l'aide de l'hypnose, je réponds que oui. On peut utiliser l'hypnose pour régresser, même dans le ventre de notre mère, quand on était un fœtus. Et des fois, on réussit même à vérifier les dires des gens en transe. Et je vais vous donner un exemple comme d'habitude. Une dame qui est venue nous voir pour une allergie qu'elle avait au chat et qui aimait beaucoup les enfants des autres, mais qui n'a jamais voulu avoir ses propres enfants. Et en régression, elle arrive à voir, à ressentir quand elle était dans le ventre de la mère qu'elle n'était pas toute seule, qu'elle avait une sœur jumelle. Et, ou, en tout cas, un jumeau. Et elle a vérifié ces données après de sa mère et elle a appris qu'elle avait en réalité eu une sœur jumelle qui était née morte. Donc, ça explique sa crainte terrible d'avoir des enfants et en même temps, son allergie, ça lui a expliqué, elle expliquait de cette nature-là que c'est vrai qu'un chat, on le prend dans ses bras et on commence à le tenir comme un petit bébé. Et bien sûr que ces allergies sont parties tranquillement à cause de cette trouvaille qu'elle a faite en régression. Puis c'est quoi juste les avantages à suivre une thérapie comme ça? D'après mon expérience, c'est bien important de retrouver les émotions qu'on a vécues, même si on n'était pas capable de les interpréter à ce moment-là. On les a retenus au plus profond de nous-mêmes et maintenant on a l'occasion de les décoder à travers la pensée d'une personne adulte avec beaucoup d'expérience. En les décodant, en les démystifiant, ces expériences ne nous barricadent pas le chemin de la vie et nous laissent libres d'agir et de nous accomplir. Puis, c'est quoi ton opinion sur les vies antérieures? Ou je devrais dire les régressions dans les vies antérieures? Les régressions dans les vies antérieures. Je pense que l'inconscient de la personne crée une histoire dans le but de l'aider à se découvrir, à trouver ses émotions, à les démystifier et à comprendre le sens de sa propre vie. Et des fois, l'aide à passer à travers certains comportements qui sont... qui l'empêche de vivre. Je vais vous donner encore des exemples. Une dame est venue nous consulter pour sa phobie d'avion. Elle avait très peur de prendre l'avion. Et elle a découvert, à l'aide de ses régressions en transhypnotique, la vie d'un soldat qui, durant une guerre, probablement en Afrique, d'après ses descriptions, avait tombé avec son avion. Jusqu'ici, tout est banal, mais elle a revécu absolument cette émotion forte de chuter avec l'avion et de se faire écraser. Et en sortant cette émotion forte, sa peur de prendre l'avion l'avait quittée. Donc, c'est bien utile et on ne cherche pas si le soldat a vraiment existé, si elle a un rapport avec cette personne-là, ou c'est simplement une histoire qu'elle s'est contée pour pouvoir démystifier ses peurs. Un autre exemple, une personne qui régresse dans la vie d'un vieux sage entouré de livres et qui est sur le lit de mort. Et en posant une question à ce sage, on apprend qu'il regrette de ne pas avoir eu le courage d'aimer les autres et de s'ouvrir plus aux gens. Et maintenant, dites-moi, est-ce que c'est plus important que le sage a existé ou que cette dame, après la découverte, a réussi à s'ouvrir, à aimer les autres et sortir de sa solitude?